Hey, yep, tout le monde et bienvenue sur The Agrarian Sky, en compagnie des Pi. Bonjour tout le monde. Bon, ça fait un sérieux moment que le poulpe vient de crever actuellement, c'est cool. Non, ça fait un super moment que je ne suis pas revenu sur Agrarian, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça a évolué dans tout ça. C'est plutôt cool, hein, ça doit faire plus d'une semaine pour moi. Mais voilà, en tout cas, j'ai regardé tous vos commentaires. D'accord, c'est ça qui crame, d'accord, très bien. Je peux vous expliquer un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, au niveau de la tour à meubles, ce qui est tout à fait normal, c'est que bah il y a de l'XP, je sais pas pourquoi. Parce qu'à la base, il doit pas y avoir d'XP. C'est pas grave. Tout est full naturellement, hein, ça c'est cool. Mais au niveau de, évidemment, la tour à meubles, ce qui est fait et construit en fait, c'est tout simplement, déjà on va essayer d'y accéder via ici, voilà, déjà voilà, c'est qu'en fait c'est des convoyeurs belles qui sont dirigés vers le centre, tout simplement sur 3 de hauteur, puisque les Endermen font 2 blocs et demi ou 3, je ne sais plus, ça doit être les Wither Squelettes qui font 2,75. Et ainsi de suite, j'ai fait ici également, donc ça pop pas parce que je suis dans son rayon. Tout à fait normal, hein. Donc vous voyez, en jaune ça pop pas, en rouge c'est possible que ça pop, mais comme c'est des convoyeurs belt et que c'est possible de spawner, alors quand je m'éloigne suffisamment, bah ça pop, donc bien sûr dans son rayon de 32 blocs autour de soi, donc ici ça va commencer à repopper tranquillement, voilà, ça repopper et ça retombe tranquillement parce qu'ils sont dirigés vers les convoyeurs qui est comme des minecarts en fait qui prend vos animaux et qui les envoie dans le vide. Voilà, tout simplement. Et il pleut. Cool, je reviens dessus. Il faut qu'il pleuve. Alors, pourquoi j'avais ceci? Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Allons voir un petit peu aux côtés de chez Monsieur Edix, parce que ça fait longtemps que je suis pas revenu. Ouais, trop bien. Bah oui, il a fait les fleurs, lui. Il a fait vraiment toutes les fleurs, c'est cool, c'est plutôt sympa. Et bah, ça fait un petit moment qu'il n'est pas revenu, je pense, parce que ça, j'avais vu la semaine dernière. Tranquillement, entre une mana, une deleted. Ok. Sympa. Bon, il fait les hydrangeas, c'est qu'est-ce que c'est long, ces trucs-là. Mais on va dire une chose, c'est que c'est vachement très pratique. Justement, c'est deleted. Alors là-bas, j'aperçois que j'ai toujours mes abeilles, j'ai toujours les poulpes qui sont en mode complètement conne. Nous avons les vaches ici, nous avons les poules qui sont là. On va tout récupérer. Par ici. Oui. Vas-y que je te pousse. Nya. Moi je les tue parce que ça sert absolument à rien. Ah si, à part faire une petite récolte générale, mais c'est tout. Ouais, il m'a tapé alors que j'étais de l'autre côté, quoi. Ici, est-ce qu'il y a des animaux? Oui, il y en a une, naturellement, hein. Sinon, ce n'est pas drôle. Nous avons d'autres moutons par ici. D'ailleurs, je ne sais pas qui s'est barré, mais il est quelque part. Il est à l'intérieur, ok, très bien. Et nous avons une vache également ici, ok. Pas te coucher, toi. Hop. Ah oui, je crois qu'il me fallait du roast beef pour quelque chose. Ah oui, non, c'est bien un levette mana, ok. C'est cool, bah ça change par rapport à justement nous dans Wiggloof, hein. Le champ est plus grand. Ok. Très bien, je ne sais plus pourquoi j'avais besoin de roast beef. Je sais plus pourquoi. Ça, je peux jeter. Tac, la laine aussi. Ça, je garde. Parce que je crois que j'en avais besoin. Et la laine, je peux jeter. Il n'y a aucun problème. C'est cool. Du coup, il me fallait pourquoi le roast beef? Je sais plus. Je sais plus du tout. Bon, ouvrons notre livre de quête, hein, parce que ça fait ultra longtemps.
On va voir là-dedans ce que ça a fait, ça a tourné, d'accord. J'ai déjà une Blackwood que je ne sais pas pourquoi elle est là. Au niveau d'ici, bah, la force ne tourne pas, naturellement. La modeste, elle tournera avec celle-ci. Bah, celle-ci, ça continue, normalement. Ouais, très bien. Ici, ça continue. Ici, oh, ça, oui, d'accord. Donc ça en produit quand même beaucoup. Ça m'étonne depuis ces jours-là que ça n'a produit que 3 stacks. Je pense qu'on est venu m'en piquer un petit peu quand même. C'est pas très grave. Hop, hop. L'Underium, je garde hein, naturellement parce que c'est toujours important d'avoir l'Underium. Bah tranquille, tranquille. Ouais, c'est pas harvestable. Très bien. Du coup, dans tout ça, bon, on a plein de fleurs, hein, naturellement. On va faire ceci. Hop, un clic droit dessus. On en a 22 de plus, quand même assez important. 91 Underium, c'est assez chiant à faire, mais on y arrive tranquillement. Donc ça, c'est plutôt cool. Le roast beef, il est bien là. On va peut-être se faire une autre disquette de 1K, quand même. Parce que c'est pas que, mais on va en avoir besoin. Effectivement, j'avais déjà du 1K en cours, donc c'est cool. Hop, on va faire du 1K physiquement. Hop, et du coup, voilà, comme ça, tranquillement, je peux en refaire plus. Au niveau des quêtes, nous en étions donc à le premier. Le premier, bah, il nous restait quelques petites choses à faire, donc je pense qu'on va justement les faire afin de conclure cette quête générale. Chargeur, products, ok. Workshop, chargeur. Attends, on va directement charger le chargeur, comme ça on va trouver l'idée du truc. Donc c'est 58-61. Voilà, et comme ça vous avez tout du Steve Workshop directement. Comme ça vous êtes tranquille. Il nous faut du coup le chargeur normal. Donc le chargeur doit être là. Ok, il nous faut ceci au milieu. C'est de la stone et du bois. Ok, j'ai plus de stone, très bien. On va directement en faire cuire hein, au plein. Donc nous avons un chargeur en faisant ceci. Voilà. Nous avons notre premier chargeur. Production speed qui est là, mais qu'il nous faut un autre comme mieux. Voilà. Production speed qui se trouve là. Qui se trouve là. J'ai pas de lapis. Hein, j'ai pas de lapis. Eh ben, je pense qu'il m'en reste beaucoup en minerai d'ailleurs. Ou pas. Va falloir que je range un petit peu tout ça quand même, hein, parce que c'est un peu le bordel. Effectivement, c'est un peu le bordel. Oh, bah oui, j'ai du lapis. Aluminium. Iron. Émeraude. Je vais prendre l'émeraude au cas où. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert, mais si tu veux. Tac, tac. Évidemment. Voilà, nous avons notre producteur. Ensuite, il nous faut notre autocrafteur. Qui est déjà un petit peu plus chiant à crafter. Bon, ça va, il ne faut qu'un piston. En fait, c'est des matériaux vraiment de base, donc c'est pas trop ça le problème. Et un solar generator. Ah, là, ça a l'air un petit peu pas du tout compliqué. Si, 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 il nous faut de la glowstone. Déjà, ça, je le transforme en or, en gold. De la glowstone, j'en ai plus. Oh. Genre, j'ai plus de glowstone. Genre, j'ai plus de glowstone. Glowstone, glowstone. Genre, j'ai plus de glowstone. Eh ben j'ai plus de glowstone. Bon bah tant pis, on va aller en dupliquer du coup. Oh, j'ai pas les glowstone, glowstone. Ah bah non, j'en ai pas.
Ridix, excuse-moi de t'emprunter normalement une petite leçon. Je sais que tu m'en voudras pas, hein, naturellement. Même si tu m'en veux, bah, c'est pas très grave, je t'emmerde. Voilà. Bisous, je t'aime. Non, je ne trouve pas. Je trouve rien chez lui, de toute façon. Mais en plus, il a tout ce qu'il faut, quoi. Un stone planter, il m'en fallait pas dans la quête juste avant. Ah, stone mineur, c'est différent. Ok. Glowstone, bah j'ai pas de glowstone. Mon petit loup, est-ce que tu as de la glowstone par contre? Ça serait bien. Alors ici, ça produit tellement bien aussi. Ah, ces disquettes sont presque full à force. Hein. Glowstone, voilà. Je t'en pique juste une. Et on va aller dupliquer tout ceci. Pour en avoir beaucoup plus. Alors, j'espère. Ouais, c'est celle-là. Ah non, c'est pas de Luston. Luston, c'est ça. Voilà. Bon, je l'ai vachement bien descendu. Hein. Mais bon, j'ai tout le réseau derrière qui travaille, donc ça, c'est plutôt cool. Du coup. Hop. Hop, solar. Voilà, une glowstone. Et hop, c'est parfait. Du coup, nous avons tout ça. Et il nous donne un fuel efficiency. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Donc, on va mettre tout simplement ici. Qu'on y reviendra plus tard. Du coup, automatiquement, nous passons à l'auto-package. L'auto-package. Ok, l'auto package. Ok, c'est vraiment très simple. C'est pas trop un problème. Ou pas. Non, c'est pas vraiment compliqué. Il n'y a pas de souci. Hop, l'avantage c'est qu'avec un play, ça va quand même tellement vite qu'on est tranquille. Et on va planter ça. Ah d'accord, on peut pas bonne miner comme ça. Oui, c'est moche. Oh, cool. Oh, j'ai des dragon fruits. Ça sert à quoi? À refaire des arbres, oui. À faire des bons trucs. Ah, ça sert quand même à faire pas mal de choses. À faire du raisin. Ok. Ah, bah, on va bouffer ça pendant pas très longtemps, en fait. Hein. C'est cool. Du coup, bah, l'auto-package, je vais le foutre là-dedans. J'en ai pas besoin. On va du coup faire le stone mineur. Le stone mineur qui se trouve ici. Donc, nous avons besoin d'une pioche de cobble. Nous avons besoin d'un petit four de cobble. Et nous avons besoin de rien d'autre. Voilà. On a un stone. Et une cobblegen. Cobblegen. Qui a un seau de lave, un seau d'eau, je suppose. Oui, tout à fait. Avec le stone mineur, donc il me faut deux buckets. Il me faut deux buckets. Hop, voilà. Il me faut du coup un bucket d'eau. Voilà. Et il nous faut un bucket de lave qui se trouve là. Voilà. Que nous faisons ceci. Et voilà. Bon, l'avantage c'est qu'on redonne les seaux, quand même. Voilà. Et du coup, il nous donne de la cobble et un mini-cœur. Waouh, superbe. Hop, donc du coup, bah, on va foutre ça dans un autre coffre, hein, parce qu'on s'en fout royalement. Hop, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, il nous demande de faire un stone furnace, un stone generator. Un stone generator. Ouais, putain. Ça, je me demande à quoi ça sert. Diamond generator. Stone. Ok. C'est chelou, hein. Un stone generator. Voilà, ça nous donne 16 de gold.
Ok. Ok, ça génère en fait de l'énergie. 40 RF par tick. Ah bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, du coup, au niveau de ça, c'est fait. Ensuite, bah, on a l'automatic shift qu'on a déjà fait et ceci aussi. En clair, 95%. Donc, il nous reste une quête qui est de faire un aluminium hors berry bush. Alors, aluminium hors berry bush. Voilà, c'est de passer du coup de la stone. Oui, il veut juste implémenter en fait les chunk loaders, sauf que c'est pas trop compatible. Du coup, c'était ça que je voulais faire moi depuis le temps. Le repasser là-dedans. Ah bah non. Le sable. Le sable, c'était pour faire quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. C'est pas grave. Grave, on va foutre ça là-dedans. Ah ok, des spider et spider ice, c'est bien, fermenté, c'est cool. Hop, du coup, bah ça c'est... Oups. Non, c'est pas moi. Voilà. Du coup, bah ça c'est de la stone, on verra ça plus tard. Au niveau de Sky Farm, qui est que... Chef Tools. Ok. Je sens qu'on va développer de la bouffe. Ah oui, c'était ça le roast beef, d'accord. Ok, je sais bien, je savais bien que ça servait à quelque chose le roast beef. Et bah ça c'est du roast beef. On peut pas le remettre en normal. On le déshydrate dedans, ce genre de choses, non? Bah tiens, comme on a notre vache dans le coin. Oui! Oh, c'est cool ça. Hop! Voilà, alors une poêle en chicken. On va foutre une poêle, tiens. Ah non, ça c'est. Comment? Ça c'est un truc de cuisine, ouais, qui est très bien. Une vache, du cuir, on va le cuire, on va le garder. Et la vache, on va la faire à spawner, voilà. Comme ça, dans le vide, tranquille, YOLO. Nous avons trois poules dedans? Ouais, c'est cool. Faudrait peut-être que je termine ma baraque un jour. Oula. Oulalalala. Diabolique d'honneur. Je sens que c'est du... Comment? Ah, c'est quoi déjà? En diaboliste. Diaboliste. Ah ouais, putain. Ok. Alors, on va passer un petit peu via Tomcraft parce qu'il va nous en falloir, évidemment. Du coup, je plante tout ça. Ok, très bien. Oui? C'était pas ce que je voulais faire. Putain, j'ai bouffé les 18 pour rien, quoi. Non, mais tu veux pas pousser? Bah, tant pis. Tant pis du coup, bah, on va passer à du Tomcraft avec vous. Alors, au niveau de Tomcraft, du coup, il nous reste un orame dedans. Ah oui, c'était pour faire ça. Bon, c'est pas très grave. Ça, on peut le vider. C'est pas trop un souci. Alors, du coup, il nous faut pour faire la diabolisme. Ah, c'est du forbidden magique. Ok, très bien. Il me faut une Tomium Sword. Oh, très bien, il y en a déjà une dedans. Il nous faut 3 de quartz et une redstone. Oh, bah, ça va, c'est cool. 3 de quartz. Ça m'étonnerait par contre. Ça, je vais garder. Du quartz. J'ai pas de quartz. J'ai pas de quartz ici.
Une redstone, ça c'est clair. Du quartz, j'en ai plus. Va falloir que je le duplique encore un peu. Bon, je vais t'en prendre 32 parce que voilà, t'en as beaucoup et je peux le dupliquer de toute façon. C'est pas trop un souci. Hop, alors du coup, il nous faut 3 de quartz et une redstone. Voilà, et bien sûr, avant de cliquer, il va falloir qu'on ait 8 de machina, 8 de potentia dans des jars. Potentia, j'ai ce qu'il faut. Machina, je crois. Si j'en ai assez, il me faut Infernus qui se trouve là, dans la Netherrack. Il se trouve même ici d'ailleurs. C'est parfait. Hop. Et du coup, on peut faire un clic dessus. Comme ça, on aura toutes les essences. Oui. Il y a des bulles de tous les côtés. Et comme ça, on aura notre Forbidden magique. Donc ça bouffe tous les ingrédients. Bref, vous connaissez Tom Craft, les gens. Oui. À quoi ça sert? On sait rien du tout. Warp Cage. Oh putain. Oh putain. Dangerous. Rien que le mot qui me fait peur là actuellement, c'est dangerous parce que je ne sais pas si mon altar actuellement est très stable. Warden Jar, c'est pas trop un souci pour en faire. On va récupérer ce qu'il faut, moi ça je peux le laisser. Warden Jar. Tac. Alors, l'inconvénient avec justement Tom Craft là, dans cette version, c'est que la version Applied est buggée. Sauf pour faire les crafts en fait de Tom Craft, il n'y a aucun souci. Par contre, faire les crafts. Pourquoi 48.08? What? Il y a un problème. Il y a un problème, madame. Ah, voilà. C'était juste que c'était buggé. Donc, bah ça, on n'en a plus besoin. Je vais le laisser là pour l'instant. Du coup, il nous faut 3 jars. Les 3 jars là, on peut les mettre dans n'importe quel sens, il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est quand même de le mettre dans le bon sens, parce que sinon, ça crée de l'instabilité. 4 shards comme ça, 4 diamants et un tomium au milieu. Tomium craft, bloc. Tomium. Par contre, le tomium, je me demande si je vais en avoir. Je n'en ai pas. Est-ce que dans le réseau de Loulou, il y en a un? Non, il n'y en a pas. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Du coup, il me faut un iron en bloc et que je regarde via le tome limiteur dans quoi se trouve la magie, principalement là-dedans. Donc, c'est le Prakensio. Déjà, voir aussi là-dedans la TNT quête de Creeper et. Ouais, ok. La magie se trouve dans tout en fait, dans des bûches. Dans des Iron Cups, dans des shards, des Golden Apple, dans les bougies, dans les virus du Nether, c'est pas con. Table d'enchant, on donne 8. Il doit y avoir tellement d'autres choses avec. Un peu dommage. Et bah, le mieux, c'est des bûches. Hein. Finalement, c'est quand même des bûches.
Débûche de. Comment? De Greatwood. 4 fois 9, 36. Il va m'en falloir 36. Voilà. Que je vais aller du coup ici. Hop, ça je m'en fous. Hop. Ok, je peux pas faire le tomium block comme ça, il faut que je le fasse en lingot. Hop, ça lisse. Voilà, donc il faut que de la magie dedans. Voilà. Allez, mon quatrième. Voilà. J'ai mon premier tomium. Oh, c'est cool le bleu avec l'unitor dessus. C'est très beau. Ça fait joli. Ouais, c'est cool, ça marche bien en plus. Du coup, bah, j'attends ça. J'attends que ça fasse les blocs. Tout simplement. C'est surtout Dangerous en fait qui me fait peur. Hein. On va voir déjà ça. Prakensio. J'en ai 36. Prakensio, j'en ai 36. Il m'en faut 32. Bon, ça va. Magina, j'en ai beaucoup. Le Bestia, m'en faut 32. J'en ai 64. Et de l'autre. L'autre, j'en ai pas. Putain, il est gorgé en. En herba, ce con. En arbor. Tac. Et il m'en faut encore deux. Donne-moi de la magie dedans. Allez. Putain, il m'en faut encore cinq, quoi. Allez faire cuire ici aussi parce que. Voilà. Allez, encore un. Voilà. Parfait. Un tomium block. D'ailleurs que je vais scanner. Oui. Que je mets au milieu. Ouah, déjà le truc c'est vachement beau. Déjà rien que ça fait un peu peur quand même. Je vais mettre les essences que j'ai besoin ici. Machina. Machina. Du coup, il me faut quoi d'autre? Il me faut deux Lyra. Et Lyra, je sais même pas si je l'ai gardé, par contre. Lyra, ça m'étonnerait que je l'ai gardé. Et ça, c'est plutôt un petit problème en fait, Lyra, parce que on ne le trouve pas partout. Lyra, pour obtenir ceci. Lyra, c'est un nouvel aspect qui se trouve maintenant très très peu. Et se trouve dans les têtes de Creeper, ou dans la TNT, ou dans les larmes de Ghast. Et je crois que les larmes de Ghast, j'en ai quand même pas mal. Ouais, il y en a quand même 4. Hein. Et il m'en faut combien? Il m'en faut 32. D'accord, ça veut dire qu'il m'en faudrait 8. Ah non, c'est autre chose. Et du coup, il m'en faudrait 8. Et j'ai pas de Ghast. Bah, de Ghastir en tout cas. Pourtant. Et obtient dans le Soul Sand, dans ça, ou dans les abeilles. Ou là-dedans, c'est pas mal aussi. Hop. Du coup, j'ai ce qu'il faut. Je vais chercher quand même un peu de colle encore. Ou de charcoal, ça marche bien. Ça fait la même température. Du coup, il va falloir que. 8 fois 4, hein, c'est ça? Ouais. Hop! Que je fasse ceci.
Voilà. Et que j'attende en fait que tout simplement tout fonde pour pouvoir tout récupérer. Alors, on récupère là-dedans. 1 de water, 4 machins, quel saoule ces 4 têtes de mort. Ok. Bon, en fait, tous ceux que j'ai pas, en fait, hein, pour être simple. Je les ai pas, à part le water, mais. Ok, sinon, c'est 3 nouvelles jarres, du coup. Ordo, celle-là, je vais le garder. Attends, il est pas sérieux? Bah c'est simple. Oh là là là. Warp cage. Voilà, c'est cela. Hop. Donc ça c'est cool, ça je vais mettre là. Tiens, le charbon, je l'ai pas scanné. Ah bah voilà. Du coup, j'espère que tout ça a pris en compte. Oui, tout est pris en compte. Donc du coup, ça c'est cool. Va falloir que j'en refasse une. Ouais, c'est cool. Va falloir que j'en refasse une. Est-ce que des labels j'en ai encore? Ouais, j'en ai trois. Très bien. Ça, c'est tout simplement pour les repérer. Hop, Eximis. Ok, Eximis, j'en ai pas besoin. Donc ça, par exemple, je peux le reposer. Pas de souci. Ça, je vais le garder. Bestia, je l'ai mis là-bas. La soude, j'en ai pas besoin. Donc ça, je peux le remettre là-bas. Bah, j'espère qu'en tout cas, j'aurai tout ce qu'il faut, du coup. Potentia, j'en ai en masse, hein, par contre. Non, il m'en faut 4-4, hein. Ah, saleté de vache. Ok. Ah, je crois qu'il me fallait une tête de vache en plus. Oui! Plein de vaches partout. Encore d'autres dans le coin? Bah oui. Par ici. Coucou, t'as. Une vache, une poule dans le coin? Oui. Allez, une dernière pour la route. Voilà. Voilà, d'être tous contentes. Oui. Ça, par contre, je vais garder. C'est peut-être une quête par la suite. Le mouton, je m'en fous. Hop. Voilà. Du coup, on va faire cette quête-là et du coup, on va se laisser là. Cet épisode va être quand même pas lent, tout ça. M'en faut que 4. Oui, c'est ça, il m'en fallait que 4 hein, là-dedans. Ouais, tout ça. 4 diamants que je dois reposer, 4 shards comme ça. Normalement, les shards, je les ai. Diamonds, j'en ai que 2. Déjà, rien que là, ça fait mal. Et les autres shards, si c'est pas moi qui les, c'est Ethan qui les a. Voilà. Et du coup, on va aller là-bas. J'espère que l'altar est quand même le plus stable possible pour faire du Dangerous. Ah, cool. Cool, il a gardé les shards. Je savais pas que j'en allais en avoir besoin en fait dans la quête.
C'est pour ça que je les ai jetés moi-même. Mais non, on en a bien besoin. Bah. Voilà. Bon, allez, sur ce, on fera ça la prochaine fois. Ciao tout le monde.